C'est vraiment super haut. J'ai un moyen de ne pas faire marche arrière. Maintenant, on doit aller jusqu'au bout. On va faire ça à deux. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Comme ça, d'accord? On se penche en arrière et on va descendre en rappel côte à côte. Ok. Prêt? Tout à fait. Un dernier accès de courage. Allez, go! On se penche en arrière petit à petit. C'est un peu escarpé à ce niveau-là. Essaie de descendre pas à pas et reste près de moi. Près de toi? Ouais. T'es plus bas que moi. Ça va. Ça va, ta main? C'est bon. C'est pas agréable. Ça va? Ouais. On lâche. Ok. Je suis sur le bon rocher. Cette main, tu vas la mettre là-dessus. Ok. Et je garde le contrôle. Voilà, c'est bien. Nickel. Ok, c'est super. C'est le bon sens? Ouais, ok. On touche l'eau? Non, hein? On en est très loin. On en est loin. C'est un saut acceptable? Un saut acceptable? Il serait peut-être temps que je te dise, Bear. Je sais pas nager. C'est pas la noyade qui m'inquiète. Ce qu'il faut faire, c'est atterrir à plat. Ok. Les fesses en premier. D'accord. Il faut pas qu'on s'enfonce dans l'eau. T'es prêt? Ouais. Atterrissage à plat. Go! C'est froid, putain! Lève les yeux! Les dernières 48 heures ont été incroyables. Ça a été une vraie mise à l'épreuve. Je me suis jamais senti aussi vivant. C'est comme une sortie camping qui est partie en cacahuète. Jamais aucun film ne m'a demandé des efforts pareils. Et de manière générale, j'ai jamais rien vécu qui s'en approche. Ça a testé plein de choses différentes. L'endurance, la force physique, la volonté, le courage. Bon sang, je suis ravi. J'avais promis de te ramener entier. Ouais. Quelle aventure! C'était bien marrant. Et quel plaisir, hein. Tu t'es très bien débrouillé. Je suis vivant. Partons de là. C'est parti.